Ah putain. Oh putain. Salutations les lémures, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au moment où je me fais attaquer par ma base. J'ai plus d'énergie, je tiens pas à mourir. Laissez-moi rentrer chez moi. Ah c'est chaud du cul. Ah, faut que je ferme la porte. Ah ouais d'accord, ils y vont pas de main morte. Ah, c'est tendu. Voilà, moi je vais essayer de régénérer un peu. Donc comme je vous le disais, on se retrouve pour notre 33e épisode sur Subsistance. J'ai pas d'armes, rien du tout. J'espère que mon mur il va tenir là parce que c'est tendu. J'ai mon sac qui est là-bas. Alors il y en avait 3 qui étaient déjà là tout à l'heure. Je me suis frité avec eux. Je suis mort entre temps. Attends, je veux juste prendre ta flèche. Et je me casse. Oh, saloperie. Donc ouais, je me suis frité avec l'annonce level 4 là. Enfin, qui est passé level 4 après qu'il m'ait tué. Je viens de prendre cher là. Et il m'avait filé pas mal de bidoche et compagnie là. Et bah, j'ai lancé du gras. On peut peut-être aller le chercher en attendant. J'espère que ça va le faire. Et que je vais pas avoir. Ah ouais, j'ai bientôt plus de bois. Ok, je vais récupérer tout ça. Je vais prendre quelques petits rondins là. Histoire d'alimenter le feu. J'espère qu'ils vont vite partir. Ah, ça devrait tenir. Est-ce qu'ils sont partis? Ok. Ok, ça a l'air d'être le cas. Ouais, il y en avait déjà 3 avant. Oh là là, la cabane des... Le poulailler, il a pris cher, mon sac. Faut que j'aille le récupérer. J'espère qu'ils vont pas revenir. Parce qu'en général, quand je m'avance par là et qu'ils viennent de partir, ils reviennent à la charge. Il y en avait 3 autres avant, j'en ai tué un. Alors je pense pas que ce soit eux qui soient revenus. J'ai repris son sac. Je pense que je vais avoir perdu pas mal de son loot. Mais bon, tant pis. Je vais prendre la caisse là aussi. Et puis on va aller se réfugier. En plus, la nuit va tomber. Donc, ouais, ça va pas le faire. J'étais parti farmer compagnie, tout machin. À un moment donné, je me promène. Bah, après que le loup m'ait tué, je reviens là. Il y a 3 bandits. Je me fais prendre en chasse par le premier. Je m'abrite ici, je vois les 2 autres qui pop là, tout de suite derrière. Et je me dis c'est chaud tendu. J'essaie quand même de riposter, j'en tue un. Les autres prennent la fuite après être déjà parti une première fois. Et puis voilà, c'est un combat sans fin. Déjà ils m'ont laissé mon bout de viande cuit. Par contre ils m'ont dégagé mon bout de viande crue quoi, c'est abusé. Là, je vais le manger mais bon. Ah ouais, ça me saoule là. Ouais, et puis j'ai plus de munitions, voilà, forcément, j'ai plus de munitions, quoi, sérieux, ils abusent. Donc ça, je peux le ranger, ça ne sert plus à rien. Non, ça, je veux pas le jeter, je veux bien le ranger, abruti. Non, mais c'est pareil, je suis en train de cliquer, quoi, c'est quoi, c'est parce que je suis plein. À la limite, c'est peut-être 250, ben, on va se faire des munitions dans ce cas-là, hein. Et je vais aller ranger ça de l'autre côté, je vais reprendre mon pompe. Ouais, d'ailleurs, ce serait bien, c'est de mettre ça là, plutôt que à... Ça, j'en ai pas besoin non plus. Là, il me reste des munitions. Je vais prendre ça. Ouais. C'est un peu relou tout ça, là. Je vais essayer d'aller nourrir mes bêtes, là. Je vais refiler 3 baies. Ok, 3 œufs, nickel. Moi, je vous donne ça à la place et un verre. Allez, c'est la fête. Il y a un petit coup de flotte. J'ai récupéré votre caca. Je vous remets la deuxième. Ok, on va remplir ça. On va reprendre ses esprits. Ouais, 7 aussi. Ah non, je viens de boire de l'eau. Putain. Aïe. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe où je cliquais. Eh, viens par là, toi. Ah, je m'en fous, j'y vais rester contaminé. Hein. Je vous avoue, je m'en fous un peu. Alors par contre, je suis deck, je m'étais refait une 20aine de flèches. J'ai dû en taper 3-4 contre les bandits. Et là, il m'en reste 9. Ouais, franchement, c'est un peu abusé le ratio de perte de loot et compagnie. Mais bon, on va faire avec. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de subir. Donc, on subit, on ferme sa bouche, quoi.
Mais je suis bon pour me refaire des flèches, quoi. Là, je veux bien ça aussi, parce que ça commence à me gonfler d'être dans le noir. Faut vraiment qu'on se mette un système d'éclairage, là, parce que... c'est pas possible. Donc ça, je vais en avoir besoin. Merci bien. On va se refaire des flèches en vue d'aller à la chasse. Ouais, j'ai plus de clous sur moi, c'est pas grave. C'est pas grave, je pense que j'aurai assez de flèches avec ce qui va sortir, là. Ah, ça, je vais le garder. Ça, faudrait que je le range, mais de l'autre côté, on va se faire des munitions. C'était pas l'objectif du jour, mais bon, tant pis. J'y vais prendre ça, déjà, pourquoi... Ouais, non, je l'ai déjà pris. Ah, par contre, ouais. Ouais, si tu peux en diviser qu'un comme ça, j'ai pas fini. Ouais, j'espère que c'est pas pour moi, là, les bandits. Ok, je vais en mettre 10, là. J'aurais bien voulu, comme objectif du jour, qu'on se fasse... bah déjà qu'on agrandisse la base, mais vu qu'il va falloir réparer, je sais pas si ça va être compromis. Je voulais réparer la base. Enfin, je voulais pas réparer la base, je voulais l'agrandir surtout. Et je voulais aussi... qu'on se fasse le frigo. J'aurais bien crafté le frigo, histoire de... Parce que justement, ouais, quand j'ai chassé l'ours... Il m'a fait 3 morceaux de bidoche, mais le premier m'a déjà quasiment rendu toute ma vie. J'y allais pas à consommer les deux autres derrière inutilement. On va se remettre un peu de lumière, merci. Ah, moi j'y vais réparer. Ça, ce serait bien aussi que ça soigne naturellement là les intoxications, parce que voilà, au bout d'un moment, je sais pas, non, on peut pas récupérer un petit peu de sa santé. Ok, alors j'ai plus de bois sur moi, faut que j'en reprenne. On va faire ça comme ça. Ah, il est où le mur? Il est là. Ok. Est-ce que tu peux me l'afficher, s'il te plaît? 3. Ah, je pense que ce tronçon aussi, on va devoir le renforcer pour être tranquille. Parce que là, ça craint du boudin. Ah, ça, je peux peut-être le recharger aussi. Ah, je crois que le jour va pas tarder à se lever. On aura passé une excellente nuit blanche. Ah, je peux peut-être aussi aller ranger mes tissus. Ah, pour ça, voyons voir. Ouais, ça me remplit quasiment pas entièrement, donc c'est cool. Donc il y a du bois, j'en avais là. Ah, par contre, là, c'est des bâtonnets qu'il faut que je refasse. Ah, voilà. Non, ça, faut que je le garde. Et c'est ça que je vais ranger. Alors, l'huile, elle va là, parfait. Maintenant, c'est un peu la dèche au niveau des légumes. Je vais quand même manger une petite carotte. Je vais remettre ça là. Et puis, ben, on va se crafter quelques munitions en vue de se protéger, hein. Ce serait pas mal. Ça, ça va ça mettre ici. Ça, ça va stocker là. Ouais, j'ai ça. Bon, ça va, j'ai pas non plus perdu trop de trucs. Du moins, je crois pas. On va prendre des planches. J'aurais bien voulu aussi rajouter un tronçon. Bah, finir de combler, là. De faire toute la longueur. Ok, on va peut-être se poser... Non, comment ça, il caille? On est au mois d'avril, sérieusement. Oh. T'es pas sérieux, gars? Voilà, faut que je finisse de réparer, là. Ouais, j'ai plus de bois, je l'ai rangé. Ok, super. Bon, écoutez, je fais passer la nuit et on se retrouve après parce que là, c'est le bazar. Ok, c'est cool. Il y a au moins ça de positif. Il pleut. Il y a du vent. Il y a mon éolienne qui tourne. Bah, d'ailleurs, j'aimerais bien faire ça aussi. Malheureusement, ça me coûtait un peu cher. Ah, ça va, on était à monter à 1000 et quelques là. Ah, ouais, ça aurait pu tourner encore. J'y vais convertir un petit peu de masse là. Hop. On est à 1000. Ah non, ouais, non, laisse-le allumer. Ah, c'est combien pour le four? Enfin, le frigo. Ouais, 1200. Je pense qu'on va peut-être pouvoir les atteindre. Mais après, le truc, c'est que je vais crafter des munitions. Donc, bon. On va voir. Hein. Ok, le petit jour est levé. Je vais réparer ça avant que ce soit cassé. Ok, j'ai plus de bois. Donne-moi du bois, vite fait. Ah ouais, c'est génial, là. On va devoir rester enfermé à la maison, vu qu'il fait moche. C'est cool. D'ailleurs, j'ai récupéré mon t-shirt. Ouais. Il est dans un sale état, mais je l'ai.
Ok, on va finir de réparer la maison de nos bestiaux là. Vas-y, fais un effort s'il te plaît. Ah, je sais plus si j'ai mes deux poules là. Attendez, oh. J'en vois qu'une. Il m'aurait pas tué l'autre quand même. Ah, ce serait abusé quoi. Mais ah ouais, il me manque l'autre là. Ah, j'ai perdu une poule quoi. Sérieux, c'est. Ah non, elle est là, mais elle a du mal à. Vas-y, manie toi le troufion de rentrée, tu vas attraper froid là. Tiens, viens. Ah, c'est pas possible. Tiens, rentre, dépêche. Ah, ça ira plus vite comme ça. Ah, le caca, je vais le laisser pour le moment. Et là, j'ai récupéré un œuf. Et je vais le ranger. On va faire une petite distribution de caca. On va commencer par en haut. Hop, comme ça, je peux redescendre directement. Ah, par contre, ouais. Non, mais arrête de me mettre dedans, là. Ok, tomate. Ah, par contre, là. Voilà, il me faut une petite graine. Qui vient ici. Et puis, il me faudra une graine de carotte pour l'autre côté. Quand t'as là... On va faire ça comme ceci. Hop. Je vais pas me prendre la tête. De toute façon, je crois que j'ai plus beaucoup de graines. Alors, comme ça, c'est réglé. Voilà. Ouais, j'ai mis du caca partout là. Et on va mettre de l'engrais en bas. Alors, ce qui est déjà bien, c'est que j'aurais pas besoin d'arroser. Je sais pas si j'ai réparé partout par contre. Le plancher là-haut. Ouais, ça va. On va faire ça comme ça. Ici. Remettre un peu de bois et puis on va se stocker tout ça. Alors ouais, j'ai lancé la confection de munitions. Je sais pas si c'est un chac. Ouais, parfait, voilà. Et je vais au moins me faire ça. Les flèches, c'est bon, on en a refait. Je peux peut-être ah ouais, non, c'est bon, j'ai les clous encore. Passe-moi les plumes. Ah, merci bien. On va ranger ça comme ça. Ah, c'est vrai que j'ai pris les planches pour nous faire des deux tronçons de plancher. Mais j'aimerais bien aussi me faire des murs en haut. Commencer à mettre des murs, mais bon. Des murs, ouais. Sauf qu'il me faudrait une porte. Je sais pas si je mets une porte sur le côté, sachant que là, à ce niveau-là, j'aimerais faire partir une terrasse. Donc il faudrait que je fasse partir, je crois que ça doit être un bout de... Ouais, un bout de plafond. Après, je sais pas ce que ça va donner. Mais au moins, déjà un bout de plafond par là. Après, là, je vais faire un tout petit contour. Je sais pas si il y a des mini détours là. Je sais pas la taille qu'il faut. J'en voudrais un, mais au niveau. Ouais, au niveau. Comme un. Trois quarts quoi, en tout petit. Et je crois que ça, c'est des gros morceaux quoi. Ouais, ça va avec ça. Ça va être trop grand quoi. Parce que vu la taille de ma terrasse, à moins que je mette ça après sur le côté par ici, je me fais un gros tronçon. Mais après, ouais, je vais être en décalage avec mes planchers. Parce que si je clipse à partir d'ici, il faudra que je fasse une rangée toute fine quoi. Pour boucher le déficit. Bref, là, il faudrait que je me refasse un deuxième petit tronçon. Deux planchers pour en bas. Déjà, il me faut ça. J'en aurais bien mis un angle comme ça en bas aussi. Là, je vais prendre de la corde. Donc déjà, je vais expédier celui-ci et celui-ci. Il me faut un plancher. Il en faut un autre comme ça. Il me faudra sûrement une porte. Et puis mur en bois, moitié vertical. Pour le moment, non. Après, il y a un autre type d'escalier. Je sais pas si c'est ceux qu'on se retrouve, qu'on fait en colimaçon. Là. Ça ressemble pas à ça. Ah, et je sais pas si ça a été rajouté, ça. D'escalier de moitié en bois. Parce que pareil, au pire, je pourrais me refaire un escalier pour mettre ici, quoi. Mais je sais pas si ça va passer, hein. Bois, fondation, machin. De moitié. Parce que si je me fous un escalier ici, ça passerait. A voir.
Au pire des cas, même si je le fais, il pourra toujours me servir à quelque chose. Donc, bon. Et puis, tout est remaniable. Donc, ok. Donc, ça, on va le prendre. Je voulais me clipser ça, là, comme ça, là. Voilà, merci bien. Le petit qui vient de sortir. Ouais, t'as droit de te clipser là, voilà, parfait. J'espère que j'ai pas regretté. Si tu pouvais te clipser. Si tu m'aiderais beaucoup là. S'il te plaît. Tout ça, je peux plus remonter. Allez, clipse-toi. Non, clipse-toi dans l'autre sens. Ouais, merci bien. Et 8 pour finir. Voilà. Là, je vais me faire une petite terrasse toute ronde. C'est pas mal comme ça. Et puis, je me dis que dans la continuité de l'escalier, on pourrait commencer à se faire un ponton, quitte à refaire un escalier pour faire le... Ouais, au pire des cas, cet escalier, si je le fais que ça passe pas en haut, je viendrai clipser en bas. Je vais faire ça comme ça. On va tester. On va tester, on va tester. De toute façon, ouais, je vais refaire un étage au-dessus pour surveiller. Il y aura comme une tour avec un tout petit garde-corps. Comme ça, on pourra les aligner. Là, c'est un petit balcon, histoire d'eux. Je sais pas si je pourrais fixer mes projets dessus. Mais en tout cas, voilà, ce sera fait. Et puis après, j'aimerais mettre une verrière là avec tous mes... avec tous mes bacs. Là, ce serait bien, c'est qu'on pense aussi à les améliorer. Mais pareil, il faut de la corde, quoi. Donc, faut retourner à la chasse. On en est comment au niveau du carburant, là? Ok. T'es lancé, toi, ou pas, là? Ah non, elle reste toujours en activité. Par contre, toi, ce serait bien, ouais, c'est que tu sois éteint. Parce que là, les 200, on les a dépassés depuis un bon bout de temps. Je sais pas s'il me reste du gras, là. Non. On va mettre 2-3 petites... Ah, bah, les 3 fioles que j'ai stockées, je vais les mettre au final, hein. Donc voilà, c'est parti, amuse-toi bien. Notre escalier, 8. On va tester. Ah ouais, ça fait bizarre. Ah ouais, c'est un demi-escalier quoi en fait. Mais si je mets ça là... pour descendre, c'est un peu tendu quoi. Ah ouais, c'est tendu pour descendre. Ah, je peux même plus. Je suis coincé. Ouais, ça pourrait, hein. Mais on coince au niveau des... Ah ouais, on coince là. Faut que je le retire. Vas-y, enlève-toi. Déplacer. Parce que là, ça va pas du tout, quoi. Ah ouais, déplace-toi, mais... Laisse-moi passer. Ah ouais, si je peux plus accéder en haut... Ah, au pire des cas, je vais faire ça comme ça. Vas-y, clipse-toi là. Ah, merci. Ok, déplacé. Vas-y, viens par là. Ah ouais, c'est dommage. Ou alors sinon, il faudrait que je le mette là, comme ça. Ouais, je mets ça là, comme ça. Et après, je remets un... Je mets une petite plateforme. Et je remets un escalier en virage. Ça pourrait le faire, ouais. Pourquoi pas. Après, je mets un petit carré, là. Et je me refais un escalier. Et là, je mets un grand mur, là. Ça. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je vais le laisser là pour le moment. Quoique. Je le remettrai, mais je veux voir la tête que ça a quand, quand je le pose en bas. Par contre, ouais, si tu pouvais te pivoter, ce serait bien. Ça donnerait quoi, là? Ouais, je pourrais venir pêcher comme ça. Ou alors, il faudrait réussir à le centrer au milieu. Je vais voir si c'est possible. On fait beaucoup d'essais, là. Des fois, c'est possible de clipser les items. Vas-y, dis-moi que tu peux. Ou alors, attendez. On va le clipser là en attendant. Voilà, merci bien, t'es gentil. Laisse-moi remonter. Je vais le mettre au-dessus là. Ah, saute mon gros. Allez, saute.
Ah putain, c'est pas vrai. Saute sur ton escalier là, il peut même pas. Ok, j'ai compris. Bon, je fais tout le tour. Ah, merci bien. Allez, viens par là, l'escalier. Ah, il y a moyen de le déplacer, s'il vous plaît. Merci. Ok. Donc, qu'est-ce que tu aurais déjà l'aimabilité de te retourner? Ouais, là. Comme ça. L'arrière, on peut faire ça comme ça. Et après, je construis un ponton pour aller à la pêche. Ok. Alors déjà, là, comme ça, je pourrais peut-être pêcher plus facilement et attraper mon poisson. Je vais le laisser là pour le moment. Et au pire des cas, j'en referai un autre pour en haut. Donc là, on a assez fait mumuse avec les clous. J'en ai dépensé à peu près la moitié. Donc on va se calmer. J'ai refait quelques munitions. Histoire qu'on se défende un peu. Je vais laisser celle-là. Ouais, quoi que je vais charger pour être tranquille. Ça me prendra moins de place. Et je vais charger celui-là aussi. Comme ça, ce sera bon. Et puis, on va essayer de se faire une petite partie de chasse. Ah, regardez, il y a un bambi en face. Faut vite que je me dépêche. Vas-y, viens par là, là. Forcément, ça va pas changer le revolver. Nickel, ok. Faut attendre que l'animation se termine parce que c'est trop... pour se faire correctement. Ah, j'espère que si jamais il fuit, il va pas aller du côté de l'ours, par contre. Parce que ça va me gonfler. Ça, je vais le laisser ranger pour le moment. Ok, les munitions avec. Je vais mettre ça comme ça. Ah, j'ai besoin de réparer mes vêtements. Ouais, réparer, je peux directement. Ok. Par contre, là, c'est pas la même chose. Ah ouais, non, le coût de la vie, je vous raconte pas. Ok, donc là, on va faire ça comme ça. Sauf que j'ai plus de place pour mes plumes. Ok, j'ai compris. On va décaler tout ça. Je vais foutre l'adhésif en haut. Et puis, bah, je vais mettre mes plumes là. Ok. C'est parti. Je vais ranger ça. Et on est parti. Ah ouais, attendez, j'ai mon rosti aussi là. Ah ouais, je peux manger un morceau quand même. Ah, j'ai soif. Ah, je vais remplir ça vite fait. Et puis on se retrouve à côté du Bambi. Je sais pas où il est, il est toujours là-bas. Ok, alors je me suis avancé là, mais je le vois pas. J'espère que l'ours l'a pas bouffé entre temps. On va remonter pour voir. Ah non, c'est une poule. Ah, j'ai eu peur. Elle vient par là, la poule. Elle me fait pas courir à l'autre bout, s'il te plaît. En plus, je suis malade, alors sois sympa avec moi, s'il te plaît. Ok, merci. Donc maintenant, on va aller s'ouvrir la sacoche, là. Et puis, je vais essayer de remettre la main sur le Bambi, hein, et puis on se retrouve dès que c'est fait, quoi. Bah c'est fait, il est là. Ok, je veux juste récupérer les petites plantes qu'il y a dans le coin et on va s'approcher tout doucement. Ouais, graines de pommes de terre, j'en ai besoin, tant mieux. J'ai pas l'impression qu'il y ait des succès Steam sur ce jeu là. Peut-être que je me gourre, mais je pense pas en avoir vu. Il y aurait une autre poule là. Si j'ai mes poules qui passent niveau 10, je veux bien en gauler d'autres. En plus, je crois qu'il a redisparu. Est-ce qu'il serait monté plus haut? Dans ce cas, je vais peut-être faire le tour par là. Ah, par contre, il faut que je fasse gaffe, j'ai plus beaucoup d'énergie. Ok. Alors par contre, le truc, c'est que si je m'avance pour qu'il se barre, on va pas s'en sortir là. Surtout que je vois rien là maintenant.
Ok, en plein dans le cucu. Ah, par contre, je me suis fait taper par des chasseurs dans le coin. Donc, j'aimerais bien que ça se reproduise pas. Par contre, si tu pouvais arrêter de courir, ce serait pas mal. Mais il va où, là? Oula, oula, oula. Ouais, ouais, je te laisse tranquille, papa ours. Laisse-moi juste chasser mon cerf et... Ah, mais il me lâche pas, hein. C'est bon, là, ou pas? Ouais. Ok, alors maintenant, faut que je retrouve mon cerf, moi, maintenant. Ça fait beaucoup de maintenant, là. Ok. Alors là, non, c'est tout sauf un cerf. Il est là. Ok, alors par contre, il y a un... Ah, mais c'est pas vrai! Putain, c'est la jungle, là. Je suppose qu'il me poursuit toujours, non? Ah, il est parti où, le cerf, maintenant? T'es sérieux? J'ai même pas pu prendre la caisse. Alors, je sais pas s'il est descendu ou s'il est monté. Là. Ok, bah t'as raison, moi, il fuit dans ce sens-là. Tant mieux, faut qu'on rabatte notre, notre gibier. On va faire gaffe au loup qui est à gauche, là. Ah, par contre, je vais y aller doucement, là. Ouais. Parfait. Allez, allez, allez. Allez, une petite dernière. Voilà, nickel. Bon, je suis sûr qu'il n'y aura pas de tendon, forcément, si c'est les papas qu'il faut taper. Ah ouais, prends-moi l'âge, vu que tu peux pas la prendre automatiquement. Ah, elle fait la toupie. Ok, alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des tout petits bois dessus. Limite, il n'y en a pas. Et donc, ça en donne. Mais par contre, du tendon, tu peux toujours t'accrocher. Hein. C'est vrai qu'elle a pas de cheville, quoi. Elle a pas de cheville, elle a pas de cuisse, elle a rien du tout, quoi. Ah ouais, non, ma pioche va pas pouvoir... Oh non! Oh non, 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 faudrait que j'arrive à... Ouais, mais ça coûte une blinde pour faire un crochet, là. Alors, on va tenter, mais... Ouais, non, je... Si ça, on va tenter, mais... Après, j'aurai pas mon frigo, quoi. Quitte à choisir, je préfère garder ma nourriture au frais. Mais je suppose que le frigo, ça va me taper de l'énergie, en plus. Donc, prochaine étape, ouais, va falloir améliorer nos panneaux solaires et les éoliennes, là, parce que ça va commencer à coûter cher. Hein. Moi, j'aimerais ça avant d'être encore plus malade, même si ça sert pas à grand-chose. Voilà. Et puis, on va aller voir où ça en est, l'énergie. Ok, alors vous pouvez ressortir. Est-ce qu'il y en a niveau 10? Niveau 4 et... Ouais, niveau 10. Ah, bah je peux peut-être l'attraper comme ça. Tiens, viens. Et puis on va mettre celle-là. Allez, hop. Par contre, ouais, t'as le droit de sortir. Ok, parfait. Du gras. On va faire fondre du gras, on en a besoin. Merci bien. Donc là, j'ai qu'un seul morceau de viande. Donc c'est fait, par contre. Mais niveau 10. Ah ouais, elle a pas atteint le niveau 10 encore. Ok. Elle est pas level supérieur. Vas-y, reviens par là, toi, les clopés. Ah ouais, change de tête que je te vois, merci, voilà. Ah ouais, t'es pas encore niveau supérieur, quoi. Puis vous êtes en train de perdre de la vie. Je vais vous filer un truc à bouffer, parce que ça va pas le faire longtemps, sinon. Ah, je vais vous filer quoi? Je vais vous filer une patate. Là, par contre, les tomates, je me les garde. Allez, tiens, mange. Un petit coup d'eau. Et puis voilà, ouais, je vois pas trop la différence. Le déplacement libre, là, merci bien, mais... ça arrange rien du tout, quoi. Elles sont passées où, les poules? Il y en a une qui est là, et l'autre, je sais pas où elle est. Ok, donc nous, l'énergie, maintenant. 900, 900, 900, c'est combien, c'était combien?
Le frigo, il est à 1200. Bim bam boum. Allez. On a le temps d'attendre un petit peu. Ça, c'est cuit. Bon, toi, t'es morte. Alors, je vais te découper. Bah, écoutez, on se retrouve dès qu'on a nos. Qu'on a assez d'énergie, hein. Ok, les murs, on se retrouve au petit jour et regardez ce qu'on a là. Voilà, je l'ai installé. J'ai eu un petit bug au niveau du record. Je voulais qu'on le mette et qu'on le fabrique ensemble. Le seul problème, c'est qu'il y a eu un petit quick. Donc, bah, écoutez, j'ai eu assez, je crois, peut-être à 5-10 minutes après qu'on se soit quitté. Donc voilà, bah, je l'ai posé. Alors, je vais pas l'allumer parce que j'ai rien à mettre au frais pour le moment. Je peux rien prendre non plus. Donc là, ouais, ce que je disais, je sais pas depuis quand faut mettre de la corde dans les frigos pour les fabriquer ou qu'ils fonctionnent. Mais bon, voilà, pareil, toujours de la corde, de la corde et de la corde. Dans tout ce qu'il faut pour améliorer le rendement, faut de la corde. Donc bah, écoutez, on va falloir se faire des sessions de chasse, quitte à pas rentrer à la maison ou à se préparer des barres énergétiques. D'ailleurs, ouais, j'ai redéplacé aussi ma caisse ici. Je me tâtais à mettre mon frigo là dans le coin. Et j'avais peur qu'il prenne tarif à la fenêtre. Enfin, ouais, en étant à la fenêtre. Donc je l'ai mis dans le coin là. Donc écoutez, voilà, moi je vais aller stocker mes petites patates et bah ouais, je peux même les stocker ici vu que maintenant ça a été déplacé. Donc voilà, le frigo c'est fait, on a fait une petite terrasse et compagnie. J'espère que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. On se retrouve dans le noir, c'est génial. Donc voilà, bah on se retrouvera prochainement pour la suite de nos péripéties sur Subsistance. Et si vous ne voulez pas les louper ainsi que les autres jeux présentés sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Je pense qu'on en a eu assez pour aujourd'hui. Entre les attaques et le farm. Moi je vais retourner essayer de chercher du bestiau et du mâle cette fois là parce que cette galère. On m'a dit qu'il y a Cougar qui fait les détendons aussi, mais bon, je vous avoue, je suis pas chaud motivé. Après la semaine prochaine, si vous voulez, on peut essayer de se choper un cougar et essayer de le tuer, mais faudra bien se préparer parce que je tiens pas à me faire niaquer le cul et à mourir bêtement. Donc prochain objectif, chasser du cougar. Allez, ciao ciao tout le monde et survivez bien. Excellent! Oh donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil? Un authentique héros! Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau!